Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce 1e numéro de Midi chez nous. Eh bien, au sommaire de cette émission, nous parlerons d'un instrument avant, le saxophone. Vous connaissez certainement l'instrument, mais de quoi il est composé? Eh bien, nous aurons un invité, que dis-je? Une invitée, c'est un invité au féminin qui sera là pour nous parler de saxophone, parce qu'elle-même, saxophoniste, Kango Amanda. Bonjour. Bonjour, Caroline. Très heureuse de vous recevoir sur le plateau de Midi chez nous, dans le cadre, bien sûr, de quart d'heure culturelle. Et vous le savez aussi, les techniques médicales avancent et aujourd'hui ont bouleversé le processus de procréation. Nous parlerons de procréation artificielle. Notre consultant sera là dans quelques instants, Yves Blé, conseiller juridique, qui pour nous en parler. La troisième partie de l'émission, vous la connaissez, elle est consacrée à nos invités de la direction commerciale et marketing. Première variété musicale, elle est signée Massi. On va dire Sauce Act 2, c'est le titre donc du clip que nous allons ensemble regarder. On se retrouve dans quelques instants. Quand c'est chic, c'est bon. Et quand c'est bon, c'est encore magique. Voici le sens. Ah. Diable où? Quand c'est chic, c'est cool, c'est bon. C'est les bons. Un métier. L'inodiffusion, la bière de Chandelle. Freddy Lengo d'or, Jimmy Cacao, Cajou Lacoste, Kanté Faro, Ahmed Boukanté. Quand on dit c'est bon, c'est la danse chez nous. Massio, fais nous danser. J'ai envie de mouler au son de ces musiques. Kakou Honoré, fais-moi danser. Frédéric Africain Moyesi Naomi à l'Afrique. Eva, de Paris, New York à Londres, on va bouger. Ange Gabriel, le roi de la technique. Thank you.
Voilà, de retour sur le plateau de Midi chez nous. Nous sommes toujours en compagnie de Miss Amanda Kango, qui est saxophoniste. Mmh. Et bien, comme ça, un jour, l'amour du saxophone est né. Comment il est né? Quelles sont les difficultés qu'elle a connues, qu'elle a traversées? Et aujourd'hui, quand elle regarde son instrument, qu'est-ce qu'elle ressent? Et elle est là pour répondre à toutes ces questions, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce que j'ai envie de savoir, est-ce que le saxophone nous permet quand même de dominer le stress? Pour moi, oui. J'imagine. Oui, je m'exprime mieux au sax, je pense. D'accord. Alors, comment ça a commencé? Comment l'histoire, la rencontre avec le saxophone s'est faite? Bon, d'abord, il faut dire que moi, c'est mes parents qui m'ont poussée à la musique. Oui. J'ai fait le lycée d'enseignement artistique jusqu'au bac. D'accord. Et chaque fois, il y avait l'orchestre de l'école qui répétait juste en bas. Oui. Donc, on était au cours, la musique, le cours qu'on ne comprenait pas bien, franchement. Et après le cours... Mais c'était quoi votre sentiment? Je veux dire, pendant que vous êtes en train de faire cours et juste à côté, il y a la musique. Voilà. Est-ce que ça vous distrait? Est-ce que vous avez envie de vous y rendre pour écouter, pour mieux percevoir le son de la musique? C'était quoi? En même temps que ça, il y avait la distraction un peu. En même temps qu'on voulait aussi aller écouter et regarder, parce que c'était joli à voir plusieurs instruments, plusieurs personnes ensemble en train de jouer. Donc après, quand on finissait le cours, on partait regarder. Et il y avait beaucoup plus de filles à la flûte traversière, à la clarinette. Il a dit, mais cet instrument-là, il est beau et puis il est doré. Déjà, il scintille. On peut bien le voir. Voilà. Elle en parle avec passion. Elle dit, il est beau et il est doré, il scintille. Il tape tout de suite à l'œil. C'est clair. Je dis, mais pourquoi je ne vais pas essayer aussi? Puisqu'il n'y a que des garçons, il y avait une seule fille. Ah. Il y avait une seule fille, elle dit, mais moi aussi, quand je vais avoir mon bac, je vais m'asseoir dans cette orchestre-là. Je vais m'aider les autres aussi qui sont au cours. Donc, c'est comme ça, j'ai regardé, je me suis approchée des aînés, comment cet instrument, il fonctionne. On m'a dit, franchement, c'est pas facile parce qu'il est compliqué. Et puis, ça, c'est un instrument d'homme. Il a dit, OK, c'est un instrument d'homme-là, je vais apprendre mais je vous soutiens. Je vous soutiens, je comprends pourquoi... vous avez, je veux dire, vous vous êtes laissé fouetter par votre orgueil. Oui. Mais comment on peut dire qu'un instrument est un instrument d'homme? Est-ce que c'est écrit là-dessus, c'est marqué là-dessus? Franchement, on va dire, il est lourd à porter, il n'est pas facile. Dit, mais et moi, quelle est la difficulté, à votre avis, lorsque vous avez commencé à jouer au saxophone? C'était quoi la première difficulté que vous avez rencontrée? Déjà, faut pouvoir émettre le son. Émettre le son. Et le son s'émet à partir de quoi? On a le bec et puis on a l'anche. L'anche, il est placé sur le bec. Je le place en même temps. D'accord. Il est placé sur le bec. D'accord. Il faut d'abord pouvoir émettre le premier son avec le bec. Et ce n'est pas facile puisque ça laisse des... blessure en dessous de la lèvre. Oui, le premier jour, franchement, j'ai souffert. Mon professeur me disait, Miss Kango, vous n'avez pas dit que vous voulez apprendre le saxo. Vous allez jouer. J'ai dit, monsieur, je tiens, je vais jouer. Et vous avez persévéré. D'accord. On reviendra au cours de cet entretien sur les différentes composantes du saxophone. Mais je veux tout de même qu'on essaie encore de parler de la rencontre. Lorsque vous avez décidé d'aller, de rencontrer, de dompter le saxophone, je veux dire, c'était en quelle année? Et quelle a été la réaction de vos parents? C'était en 2008, juste après le bac, quand je suis rentrée à l'École nationale de musique. D'accord. On devait faire les inscriptions et puis après choisir les instruments. Comme Oléa, je faisais déjà le piano. J'ai dit non, je ne veux pas faire le piano. Moi, j'ai vu un instrument qui me plaît. Il brille beaucoup. Donc, c'est cet instrument-là. Je vais jouer le saxophone. Attends, dis tout. Qu'est-ce qui vous attirait véritablement dans le saxophone? Non, c'est la beauté de l'instrument, franchement. C'est pas plus pour la beauté. Hein. C'est la beauté de l'instrument. C'était pas le son. C'était pas non, le son c'est que le saxophone produise. D'accord. Voilà, c'est d'abord la beauté de l'instrument. Donc je l'ai mis au cou. On dit, mais cet instrument-là, il te va encore plus la motivation. Il dit, OK, donc je suis partie, m'inscrit, j'ai choisi le saxophone. Il dit, mais si je veux percer dans cet instrument, il faudrait que j'aie le mien. D'accord.
Les parents, franchement, ils ont été formidables. Ils m'ont soutenue. Dès que j'ai dit à ma mère, maman, j'ai choisi le saxophone, moi, je veux mon instrument. Et tout de suite, quelle a été sa réaction? Je veux dire, elle savait que vous deviendrez musicienne, mais est-ce que vous étiez prédestinée ou elle savait que ce serait le saxophone, votre choix? Bon, j'ai imposé, je peux dire, j'ai imposé, elle voulait que je joue au piano. Ah, c'était le piano. Voilà, elle voulait que je joue au piano. Donc moi, j'ai dit, je vais jouer au saxophone. Elle a parlé, je dis, moi, je vais jouer au saxophone. Donc je l'ai stressée un tout petit peu. Il dit, mais les autres, eux, font commerce, eux, font informatique, ils ont leur ordinateur. Moi, c'est mon cahier de leçons qui est là. Donc, il faut acheter mon cahier de leçons, je vais travailler. Donc, et puis, voilà, elle m'a offert cet instrument. Et comme ça, vous avez Maman est gentille, Maman vous offre le saxophone. Elle m'a offert cet instrument. J'imagine que vous n'avez pas dormi cette nuit. La nuit, vous avez reçu votre saxophone. Surtout qu'il fait beaucoup de bruit aussi dans la maison, vous imaginez. Donc. D'accord. Et là, vous êtes à l'école. Oui. Vous apprenez. Comment ça s'est passé le premier jour? Les plaies dans la bouche? Déjà, avec les plaies, ça faisait mal. Et tu vas au cours, le professeur va te dire, souffle, embouche bien, mets bien le bec dans la bouche. Il dit, monsieur, j'ai mal. Il dit, mets le bec dans la bouche. Sinon, le son ne va pas sortir. Donc, fallait faire violence sur nous-mêmes pour émettre le son. Et c'est ce qui a marché. On a travaillé, on s'est donné du temps pour apprendre surtout. Beaucoup de temps pour apprendre. Et puis voilà, on peut dire qu'on est saxophoniste. D'accord. Donc, vous avez suivi les cours. Aujourd'hui, vous enseignez le saxophone dans un lycée de la place. Bon, j'enseigne le saxophone à des particuliers. À des particuliers aussi. À des particuliers. Il faut combien de temps à peu près pour apprendre le saxophone? D'abord, il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps. Au moins 8 heures par jour. Waouh! Donc, vous voyez ce que ça fait par semaine? Ça, c'est pour quelqu'un qui veut faire carrière dans la musique. Même apprendre. Pas pour moi, qui veut juste découvrir l'instrument. Bon, d'accord, 1 ou 2 heures par jour. 1 ou 2 heures par jour, si on arrive à émettre le son avec le bec. Ensuite, on place le bocal et on le met maintenant à l'instrument. Si on arrivait à émettre le son, il n'y a pas de souci. On pourra souffler et puis un jour jouer correctement sans problème. Et on va dire, dans le monde entier, quels sont les musiciens saxophonistes qui vous ont réellement marqué? D'abord, il y a Kenny G. À cause de son son très limpide et clair, il y a Manu Dibango aussi africain. Et puis maintenant, comme je veux m'essayer un peu au jazz, j'écoute Charlie Parker. Oui, Charlie Parker, on le sait, quelqu'un qui a vraiment laissé des traces dans le modern jazz, qui a su s'imposer grâce à sa fraîcheur. En tout cas, ça donne envie. Allez regarder, à les entendre, ça donne envie. Et vous nous donnez encore plus envie là, de vous retrouver là sur le plateau et de nous en parler. Alors, avant de passer à la phase pratique de cet entretien, on va essayer dans un premier temps de nous familiariser avec les instruments, avec les différentes composantes donc, du saxophone. D'accord. Donc, le saxophone est un instrument avant. Il y a 4 saxophones vraiment qu'on a l'habitude de voir. D'accord. Il y a le soprano en si bémol. Il y a l'alto qui est là en mi bémol. Le ténor qui est juste là en si bémol. Et le baryton en mi bémol. Le saxophone, il est composé de 3 éléments. Il y a le bec, il y a le bocal et puis il y a le corps de l'instrument. Le corps de l'instrument qui a 3 parties aussi. Il y a le corps, il y a la culasse et puis il y a le pavillon. On voit beaucoup de trous. Franchement, ça fait peur déjà. Mais c'est ces trous-là qui permettent de jouer les notes, les différentes notes, en les fermant, en les ouvrant. Ils donnent la note que vous voulez. Le bocal, il est relié là. Et puis le bec. On a le saxophone. On a le saxophone. Tout aussi. Et qu'est-ce qui diffère de cet autre instrument? C'est le même saxophone? C'est le même saxophone. Celui-là, il est en mi bémol et c'est l'alto. En mi bémol et c'est l'alto. Bon, oui, c'est l'alto. Que les spécialistes en musique essaient de voir. C'est
C'est un saxophone alto. Déjà, il est un peu plus petit que le saxophone ténor. Mais quelle est la différence? Je veux dire, lui, il est en mi bémol, c'est ce que vous avez dit? Et il est en si bémol. Il est en si bémol. Et puis, les sons ne sont pas pareils. Ah, d'accord. Le ténor, il est un peu plus grave que l'alto. D'accord. Il coûte cher, le saxophone? Quand même. D'accord. Alors, je suis sûre que vous avez envie de nous jouer quelque chose, je suppose. On va essayer. Ça, c'est l'humilité. Mais là, qu'est-ce que vous mettez avant? Ça, c'est le cordon pour pouvoir porter l'instrument. Ah, d'accord. Je pensais que ça allait juste cacher les oreilles. Non, c'est le cordon. Vous protéger peut-être du son. J'allais dire, il faut m'en donner pour que je puisse me protéger aussi. Non. Ça, c'est le cordon. Je peux me lever? Bien sûr. OK. Donc, je vais jouer un petit air. D'accord. Nostalgique. Bravo! Merci beaucoup, Amanda Kango. En tout cas, ça donne envie. Mais là, je me suis aperçue qu'il faut véritablement avoir du souffle. Il faut avoir beaucoup de souffle. Donc, vous êtes certainement tout le temps en train de faire le sport. Franchement, il le faut. Absolument. Il le faut. Est-ce qu'il y a un avenir dans cet instrument? Je ne parle pas de Charlie Parker, je ne parle pas de Manu Dibango, je parle de Kango Amanda qui est ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a un avenir dans cet instrument? Je vois mon avenir dans cet instrument. D'accord. C'est tout ce que vous avez à dire pour votre défense? Je vois mon avenir. Le saxophone, c'est moi. C'est comme une partie de moi. Oui, c'est l'amour, je veux dire, c'est l'amour que vous portez, que vous mettez dans le saxophone qui vous pousse à dire cela ou vous en avez la ferme conviction? J'en suis sûre. Je suis sûre que cet instrument, il est à moi. Est-ce que vous êtes souvent sollicitée dans des orchestres pour jouer? Oui, je joue là dans un orchestre classique, mais là, je ne joue pas à l'alto, figurez-vous, je joue au baryton. Quelle est la différence? Encore plus gros. Encore plus gros, oui. Oh là là. Et plus lourd que ça. Oh là là, vraiment j'admire votre courage. D'accord. Alors, Kango Amanda, on est sûr que le saxophone est un instrument qui nourrit certainement son homme. Il faut l'aimer pour le pratiquer. Il y a certainement des jeunes filles aujourd'hui qui ne savaient pas ce qu'elles allaient faire plus tard, qui vous regardent. Quel est le conseil que vous avez à leur donner par rapport au saxophone? Il faut se lancer, il ne faudrait pas avoir peur, il ne faudrait pas se dire que tel instrument, ça fait homme, ou bien dans tel domaine, c'est plus les hommes qui évoluent. Tout le monde peut faire tout. Il faut juste avoir le courage, se donner le temps, et puis travailler. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Et je crois que vous êtes une princesse. Voilà. Merci. Merci Kango Amanda. Voilà. Et puis nous allons avoir l'occasion pour vous accompagner de voir une autre princesse. Elle, c'est Princesse Asbeti, avec bien sûr la collaboration de notre réalisateur Nguy Santano. C'est parti. Zobo Junior, ta fille qui salue.
Ahmed Kanté. Ahmed Bakayoko. Voilà, de retour sur le plateau de Midi chez nous. Si vous nous prenez en marche, sachez tout simplement que nous abordons la deuxième partie de l'émission. Après la saxophoniste que nous avons reçue, Kango Amanda, nous recevons à présent Yves Blé, avec qui nous parlons de procréation artificielle. Bonjour Yves. Bonjour Madame Blaise. Vous allez bien ? Très bien. D'accord. Alors, dans un premier temps, on va essayer de dire... l'intérêt de parler d'un tel sujet. Avant même de parler de définition, quel est l'intérêt pour vous de parler de procréation artificielle en ce jour? L'intérêt de ce sujet réside dans le fait tout simplement que lorsqu'une famille se constitue, la famille se constitue déjà pour le bonheur des deux conjoints, mais elle se constitue afin que l'espèce humaine soit perpétuée. Donc, on fait une famille pour qu'il y ait des enfants, pour qu'un enfant vienne pour nous donner du bonheur. Et dans certaines familles, on rencontre une difficulté essentielle, la difficulté à avoir des enfants. Et donc, face à ce problème, on est tenté d'aller vers l'adoption. Alors que la science évolue. Et un penseur a pu dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, il y a des penseurs qui ont la conscience et qui ont réfléchi et qui ont permis qu'il y ait des techniques médicales assistées qui permettent au couple qui ne peut pas avoir d'enfant, par ces techniques-là, d'avoir un enfant. Un enfant qui ne vient pas forcément de la relation charnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas commerce, il n'y a pas conjugaison, mais qui vient tout simplement de cette technique médicale dont nous allons parler. D'accord, il faut dire que ce n'est pas nouveau, hein, ça ne date pas de ce siècle. Je dirais pas de ce siècle parce que la technique est certainement partie en s'améliorant. Parce que le premier cas selon nos recherches d'insémination artificielle s'est fait... en Écosse, à la fin du XVIIIe siècle, c'est bien cela. Mais on dira que la technique de l'insémination artificielle a été utilisée également en Angleterre en 1979, où il y a eu le premier bébé aux prouvettes. Vous vous rappelez certainement, mais en France, plus proche de nous, en 82, avec le bébé qu'on a appelé Louise Brown. D'accord. Voilà. Alors, donc, on aura donc l'occasion de revenir sur les différents
types de procréation artificielle, mm-hmm. mais déjà dans les cas précis, mm-hmm. les situations qui poussaient par exemple le couple à opter pour ce choix. Mm-hmm. Vous avez dit dans un premier temps la difficulté de procréer. Et cette difficulté n'est pas inhérente seulement à la femme. Parce que dans nos coutumes africaines, on dit généralement, tu t'es marié avec la fille là depuis qu'elle ne fait pas enfant. Mm-hmm. Donc souvent aussi, il faut regarder du côté de l'homme. Mm-hmm. Et j'ai un témoignage qui est assez édifiant. Une dame qui dit, qui écrit à un docteur, sous réserve d'anonymat, mm-hmm. elle dit « Bonjour docteur, j'ai 32 ans, mon ami a 39 ans, on fait des essais pour avoir un bébé, mais c'est sans succès. Il souffre d'un diabète qui a fait baisser ses cellules mâles. Donc, on a fait 3 essais, mais sans succès. Mm-hmm. Donc, vous voyez que la dame, certainement, n'a pas de problème. Mais le monsieur, ayant une maladie qui joue sur ses cellules mâles, mm-hmm. donc le monsieur n'arrive pas réellement à procréer. Mm-hmm. Donc, cette situation n'est pas inhérente à la fait. Femme. Mais fait. Il y a certains hommes qui sont là, ils sont bien portants, bien habillés dans la ville. Mais il y a des situations qui font que... Comme certaines femmes qui ne font pas d'enfants, mm-hmm. ces hommes-là ne font pas également des enfants. D'accord, donc l'infertilité n'est pas l'apanage de la femme, tout non, simplement. Pas du tout, pas du Alors, tout. Monsieur Blé, mm-hmm. on parle d'insémination artificielle, qu'est-ce que c'est? Donc, l'insémination artificielle, c'est une technique qui consiste à ensémencer. Mm-hmm. Donc, qui dit ensémencer, parle de sémence. Bien sûr. Donc, on va ensémencer une femme avec les cellules d'un homme, donc les cellules mâles, donc en dehors des relations charnelles. Mmh. C'est-à-dire que monsieur ne va pas dormir avec madame, ne va pas avoir de contact physique, mais on va prendre simplement les cellules d'un homme qu'on va mettre dans, qu'on va, je dirais, comment on dit, ensémencer la Bien femme. Bien sûr. Voilà. Mmh. D'accord, donc c'est dans ce cas qu'on parle d'insémination artificielle. Il y en a quand même plusieurs types, hein. Mais on va parler de fécondation in vitro. Mmh. Mais à côté de la fécondation in vitro, il y a la fécondation in vivo. Mmh. Voilà. Donc, chez nous, quand on dit procréation médicale assistée, procréation artificielle, on pense automatiquement à la fécondation in vitro. Mmh. Donc, pourquoi? Non, parce que c'est... C'est la plus fréquente? C'est la plus fréquente, mmh. c'est la plus usuelle, alors qu'à côté, il y a la fécondation in vivo. Mmh. Et la fécondation in vivo, c'est l'ensemencement de la femme par injection médicale des cellules mâles de l'homme. Donc, la fécondation va se passer dans l'utérus de la femme. Donc, on va injecter médicalement les cellules de l'homme dans la femme. Donc, cela va se passer, se produire dans l'utérus de la femme. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la fécondation in vivo. D'accord. Maintenant, à côté de cela, on a la fécondation in vitro. Mm-hmm. Maintenant, in vitro permet de concevoir un embryon par l'ensemencement d'un ovule en éprouvette, donc dans un laboratoire, puis de procéder par la suite à une implantation dans le corps de la femme. Mmh. Donc, on va aller dans un laboratoire. Et pour le faire, il y a des analyses médicales qu'on va faire préalablement. Mmh. On va essayer de voir du côté de l'homme et de la femme, il y a des défaillances. Et quand il n'y a pas de défaillances, maintenant, on va essayer de prendre les cellules qu'il faut. Et on va travailler ces cellules-là au laboratoire. Mmh. Une fois que ces cellules-là sont travaillées, on revient vers la femme et on va poser maintenant le fruit des produits qui ont été conjugués, et la conjugaison de ces produits-là vont être mis dans la femme. Donc, on parle maintenant de fécondation in vitro. D'accord. Alors, Monsieur Blé, mm-hmm. je sais, pour vous avoir pratiqué et pour vous avoir aussi vu à l'antenne avec Mariem Touré, je sais que vous avez un vocabulaire très hybride. Vous avez la possibilité de passer de langage courant à un langage très familier. Pour les personnes qui nous suivent, dites-nous la différence entre l'insémination artificielle in vivo et, je veux dire, la fécondation in vivo et la fécondation in vitro. D'accord. Donc, les deux définitions que vous venez de nous donner en langage terre à terre pour permettre à l'individu lambda de comprendre. Donc, in vivo, là. On parle d'ensemencement par injection. Donc, il va prendre seringue. Mm-hmm. C'est-à-dire, le docteur, il va prendre seringue. Mm-hmm. Il va prendre les cellules du monsieur. C'est-à-dire que ce qui fait enfant, là, il va prendre ça, et puis c'est la seringue, là. Madame est là, et puis il va injecter dans l'utérus de madame. Donc, il va faire une injection avec les cellules. Donc, elle est là, on fait ça devant elle. Un coup, c'est fini, elle s'en va à la maison. Là, maintenant, on prie Dieu. Chaque fin du mois, la grossesse se développe. Maintenant, dans in vitro, on va prendre des cellules dans madame. Donc, on va enlever certaines cellules chez madame. Donc, on va enlever ce qu'il faut chez madame. On met dans un bocal.
on va au laboratoire et ça. On enlève chez monsieur, on met dans un bocal, on va au laboratoire et ça. Et puis on travaille les deux, on les met ensemble. Ça travaille là-bas jusqu'à maintenant, à un certain moment, on appelle madame, on dit ah, le truc là, c'est prêt maintenant. On appelle monsieur, on dit c'est prêt. Donc comme c'est prêt maintenant, le docteur va prendre ce qui est prêt là et puis il va mettre dans madame. Et puis c'est ça maintenant qui a commencé à faire la grossesse et la grossesse va commencer maintenant. Voilà. Donc in vitro et puis in vivo, il y a un, on prend seringue. Et puis à l'autre, on enlève les cellules, on met dans des bocaux et puis on s'en va travailler ça au laboratoire. Et puis après, on met dans madame. Voilà, là ça c'est bon. D'accord, merci beaucoup Monsieur Blé. Alors, je veux savoir maintenant l'intervention du droit. Que dit le droit par rapport à cette pratique? Ben, le droit dit simplement que ce sont des cellules qu'on ne doit pas vendre. Ce sont des techniques pour lesquelles il ne doit pas avoir un commerce. C'est-à-dire, si quelqu'un met dans son esprit que je vais aller faire une fécondation, ou bien je vais aider un monsieur à avoir un enfant, ils vont me donner l'argent en bas, ou bien je vais porter une grossesse, ou bien je vais porter, c'est-à-dire un produit de conception, pourquoi on me donne l'argent? Le droit dit non. Mais ce sont des cas qui sont tout de même récurrents. On les a vus plusieurs fois dans des films. Dans des films, mais peut-être femmes... sous d'autres cieux. Mm-hmm. Sous d'autres cieux, ça se monnaie. Mais nous, en Côte d'Ivoire, ce sont des choses qui ne se monnaient pas. Mm-hmm. Le corps humain n'est pas dans le commerce. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le corps humain, tout ce qui concerne les cellules de l'homme, le droit dit on ne doit pas faire du commerce là-dessus. C'est interdit. Lorsque vous voulez aider un couple à avoir des enfants, le droit dit que c'est une libéralité, c'est gratuit. Mais le droit dit à côté qu'il faut prendre des consentements écrits. Parce qu'on ne va pas venir dire aujourd'hui, je suis d'accord, je donne mes semences mal parce que le monsieur n'arrive pas à avoir d'enfant. Et quand l'enfant naît, on dit, l'enfant là commence à me ressembler là. Mais l'enfant là est trop gros, il est joli comme ça. Donc, bon, je ne suis plus d'accord, donnez-moi mon enfant. Le droit dit non. On va prendre le consentement de tous les acteurs du système. Donc, quand c'est une femme mariée, on prend le consentement de la femme. Parce qu'attention, on est en train d'attenter à son intégrité physique. Normalement, une femme mariée ne doit avoir qu'un enfant qui ne vient que de son mari. Et la loi est claire pour dire que l'enfant né dans le mariage a pour père le mari de sa mère. Donc, ça veut dire que quand une femme qui est mariée donne naissance à un enfant, on ne réfléchit même pas. Si elle veut, elle peut aller se débrouiller à côté pour avoir cet enfant, mais le droit dit, puisqu'on t'a vu marier avec ce monsieur, l'enfant là, automatiquement, c'est l'enfant de ton mari. Donc, deuxièmement, on doit prendre le consentement du mari. Parce que s'il est marié, normalement, c'est lui qui doit faire en sorte qu'il y ait l'enfant. Ce sont ces cellules qu'on doit utiliser. Mais s'il y a une certaine défaillance, qu'on ne peut pas utiliser ces cellules, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant utiliser les cellules d'une tierce personne. Mais il faut qu'il donne son accord. Maintenant, à côté de ça, la tierce personne elle-même doit donner son accord. Et cela fait que tous les accords qui ont été matérialisés, demain, si l'enfant naît, on sait le statut de l'enfant. Donc, un enfant qui va naître à l'issue d'une fécondation in vitro ou in vivo, selon qu'il y a eu un tiers donneur, si les accords ont été matérialisés, cet enfant-là sera l'enfant du couple et il sera un enfant légitime. D'accord. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. On aura la suite dans quelques instants. Restez toujours devant votre poste récepteur, suivant bien sûr à RTI1. Nous allons souffler un peu en musique avec cette fois-ci Dolisiana, la confirmation du maître. C'est parti. Moi, je ne parle pas, vous ne rien dit. Je confirme. Il n'y a rien de plus précieux que l'amitié. C'est toujours Herman Didi. C'est encore la barbarie révolution. Dans la vie quand tu n'as pas confiance en toi, tout ce que tu fais c'est tout un échec. Voici le petit Dolisiana, j'ai tout voulu aujourd'hui, tout est accompli. C'est une manière de te dire dans la vie, au bout des efforts, tu trouves la récompense. Bililele, 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 manée. Tu mets en pied tes pas et puis tu ressens gay. Nanana, nanana. Tu vois que l'ambiance n'est pas difficile. Y'a pas, c'est pas compliqué. Tu mets en pied tes pas et puis tu ressens gay. Nanana, nanana. Tu vois que ma danse n'est pas difficile. Nanana, nanana. I'm not gonna